Salut à tous, c'est Guil et aujourd'hui on va jouer un question pour un champion UHC. Le principe est extrêmement simple, un UHC classique sur Minecraft, avec minage de stuff, PVP et j'en passe, mais où des questions de culture générale nous seront posées par le présentateur. Ici, Étoile, célèbre streamer sur Twitch. Il y a des questions générales dans le chat, où le premier à répondre est récompensé, et il y a des questions individuelles, en fonction du niveau de la personne. Et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez qu'au niveau culture générale... Ah, ça c'est facile, non? Ça c'est un cheval, ça, il est bizarre, bon. Ce cheval. Ouais, je pense que c'est ça. T'es un cheval. Bah oui. Cheval. Et justement pour cette occasion, mode de jeu différent égale vidéo différente. Deux parties aujourd'hui, une en solo et une en duo, avec l'un des meilleurs joueurs culture générale. Ah, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. C'est magnifique! C'est incroyable! C'est trop bien fait! Question pour un champion. Putain, ils se sont donnés, hein. C'est simple, il y a question pour un champion dedans. À partir du moment où il faut avoir de la connaissance et des cultures, ou si c'est des questions de culture G et sur plein de thèmes, etc., genre de l'histoire, etc., je ne peux pas gagner. C'est impossible. Rayou, est-ce que tu peux faire des questions plus faciles pour les gens qui sont nuls? Mesdames et messieurs, il y aura certaines personnes ce soir qui auront des questions un peu plus dures que d'autres. Puisque ce sera adapté par rapport au niveau PVP. Si t'as bon, généralement, t'as un bonus. Si t'as faux, t'as un malus, mais pas tout le temps. Et c'est parti les gars, c'est parti pour cette question pour un champion UHC. Bon, ça va être compliqué, hein, parce que vous avez vu les monstres qu'il y a un petit peu là dans la game. Ah, disons que voilà, ça va être complexe quoi, hein, faut pas se mentir. Guil, je te sens stressé, je te sens pas dans le... Oh, tu sais, j'ai fait un cas culture il y a pas longtemps, j'ai confondu mouton alpaga, je t'avoue que là, ça a mis bien. Ok, Guil, est-ce que tu veux tout de suite, vu que je suis déjà TP à toi, est-ce que tu veux que je te pose une petite question tout de suite? Est-ce qu'on joue pour un début de game agréable et est-ce qu'on joue pour 3 diamants? Ah vas-y, de toute façon pose toujours, hein, de toute façon. Guillaume, est-ce attends, qu'on joue pour 3 diamants? Oui, vas-y, je joue pour 3 diamants. On joue no malus. Vas-y. Je te propose une petite question, c'est une question... On va dire que pour moi, c'est une question que je trouve moyennement difficile. Donc concernant moi, la musique. Ok. Mon cher Guillaume, en 2004, quel chanteur britannique connaît le succès avec l'album Back to Bedlam, sur lequel se trouvaient les titres You're Beautiful, Goodbye My Lover, et aussi connu pour un featuring avec Cynic, et ouais, pour avoir fait le générique de L'Amour est dans le Pré. Ah, j'ai les airs des My love is pure. Combien on a de temps? Tu as 5 secondes. Eh ben c'est perdu. Attends. Moi je connais pas les noms. Moi je suis une merde pour tenir les noms, donc laisse tomber déjà. Et c'est perdu. Merci à tous. Mon cher Guillaume, on repassera. À bientôt. Vu que c'était la première question et c'était James Blunt. James Blunt, ouais. Alors c'est... Tu vois, je vais te dire un truc. Moi, les questions les qui concernent les noms des artistes ou les dates en histoire ou tout ce qui concerne l'histoire, c'est perdu avant même de commencer. Avant toute chose, cette vidéo est en partenariat avec Displate. Vous avez certainement déjà entendu parler d'eux. Displate, c'est un site qui présente des collections de posters métalliques interchangeables sur plein de thèmes différents. Plus d'un million de dessins sont disponibles dans tous les domaines possibles. Par exemple, si vous êtes fan de l'univers de Star Wars, vous trouverez votre bonheur. Il y en a pour tous les goûts dans tous les thèmes. Nintendo, Pokémon, même des séries genre Squid Game. Merci pour le référencement. Vous avez juste à entrer ce que vous voulez dans la barre de recherche sur le site. Moi par exemple, je suis un grand fan de Kingdom Hearts et de certains animés, notamment SNK ou Naruto. Ils sont quand même vachement stylés et ça rend plutôt bien. Ces posters sont imprimés à la demande en Europe, certifiés par un maître de production, livrés en 4-5 jours, et ils disposent d'un système d'accroche facile. Vous avez un aimant à fixer au mur et vous avez juste à coller la displate que vous souhaitez. Et vous pouvez ensuite échanger à n'importe quel moment avec n'importe quel displate. En résumé, displate c'est une alternative durable et plus pratique aux posters papier, cadres et autres impressions sur toile. Si ça vous intéresse, vous pouvez passer par mon lien en description pour obtenir des réductions pendant 2 semaines. Pour une ou deux displays achetés, vous avez moins 26% de réduction, et pour 3 displays et plus, 36% de réduction. Merci encore à Displate de soutenir la chaîne et de sponsoriser cette vidéo. Oh, question! Attendez 2 secondes, question, je coupe mon chat. Quel petit récipient surtout utilisé par les enfants et percé d'une fente ou un autre d'huile et... pièces de monnaie... Ah, tirelire, Oui. Putain, il n'y a même pas la fin de la question que Lapin avait déjà trouvé la réponse. En fait, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit les questions générales, ça va être compliqué. Parce que moi, le temps que la question arrive à mon cerveau et que j'ai compris, voilà, tu vois, c'est problématique, en fait, c'est problématique. Bon, écoutez, il nous faut quand même cuir et canne à sucre, histoire de démarrer. Pour l'instant, on a que du cuir, on n'a pas de canne à sucre, c'est quand même sympa. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose, là. Il n'y a pas de canne à sucre, je crois qu'on va les cave, hein. Pas grand-chose, j'ai même pas beaucoup de pommes, j'ai pas grand-chose, c'est pas ouf, je pense qu'on va les cave, hein. Êtes-vous prêt pour une prochaine question globale pour une potion de vitesse 1? Allez go, on va essayer de trouver la réponse aussi. On va se concentrer là, je sais pas s'il va poser tout de suite. J'ai trop peur de la question, je jure, j'ai trop peur de la question. Imaginez, j'invite quelqu'un à Lunda, dans quel pays suis-je? Qu'est-ce qu'on peut dire en vrai? Je sais pas, moi, j'ai même pas d'idée de pays qui serait logique en vrai, je veux dire tous un par un, tu vois. Genre, j'en sais rien, je les connais même pas. Ah, Rwanda, mais ça existe vraiment? Mais c'est impossible de trouver, frère. C'était l'Angola, je sais même pas, frère. Ouais, on va avoir zéro bonne réponse, mon gars. Moi, j'ai écrit Suède.
Je sais pas, j'ai dit le premier pays qui me passait par la tête. Oh là là, je te jure. Ah, ça se dit Angola, ok. Mais je sais pas comment ça se prononce. Je sais pas, moi. Putain, j'ai jamais entendu parler de ce truc, tu vois, déjà. Par contre, on a beaucoup de diams, hein, sans rire. Regardez-moi ça, là. C'est full D, du coup, autorisé? Si c'est full D, on est trop bien, hein, sans rire. Autant vous dire que là, y a quelque chose qui commence bien de notre côté, quoi. Voilà, autant se le dire. Là, ça commence très bien. J'ai pas fait de table d'enchant, hein. Ah si, j'ai fait une table d'enchant en plus. Mais si, incroyable. Oh, what the fuck? What? Prochaine question, ok. Bah après, si c'est des questions sur géographie, histoire, date ou des trucs comme ça, bah forcément, moi, tu oublies, quoi. C'est... Bon, allez, va y voir la question de Rayou, là. En plus, on est bien en termes de stuff, là, c'est bien. Un peu naze, je descends dans la boîte de jazz. Oh, c'est bon, frère, allez, c'est bon. Vous savez quoi, on va juste essayer de faire rire, frère, c'est bon. Hein. C'est ça, moi, c'est Michou, frère, hein, qui a chanté ça. Je le sais, j'ai écouté, je l'ai entendu. Lapin exceptionnel. Oh mes frères... Lapin il a trouvé en une seconde. En plus j'étais pas loin frère, hein, franchement. Hein. Ça c'est pas joué à grand chose je pense. Hein. Bah écoutez les gars on est full diams, hein, voilà. Merci à tous, c'était une bonne game. En plus attendez c'est T4 en plus, mais moi je vais faire une T4 diams. Hein. Question Minecraft. Là c'est oui maintenant. C'est trois youtubeurs de la coop team. Allez j'en ai une. J'en ai une mon gars, c'est bon. C'est bon, et d'une. Ah ça va plus vite que Michel Jonas. Ah bah bon. Alors là... Ah là, écoute. Là. Quoi, mais t'es déjà full diams? Oui, mec, je sais pas ce qui s'est passé. Tiens, d'ailleurs, j'ai ça, si tu veux, j'ai gardé ça, mais en ton honneur. Et depuis que je garde ça, ça se passe très bien dans ma game, tu vois, depuis que j'ai ça sur la tête. Mec, là, pour cette question, tu viens de gagner un truc qui va te mettre trop trop bien. Tu gagnes genre... Sharpness 3. T'es allé trop trop vite, la coop team, du coup. Tu pensais que t'allais team? Non, pas du tout, j'étais team IPR en plus. C'est ça le pire. J'étais team KTP, moi. Je l'ai dit plein de fois à Sifano en plus, hein. Mec, j'ai pris les premiers, j'étais en mode putain, c'est la seule question de ma vie que je vais pouvoir répondre, laissez-moi tranquille, frère. La question d'avant, j'ai répondu Michou. J'ai répondu Michou à la question d'avant, frère. Qu'est-ce que tu veux que je aucun fasse bashing. D'autre? Il y a aucun bashing. Je peux pas t'en vouloir. Et bah bonne game à toi. Merci beaucoup. N'hésite pas à plus de questions comme ça. Oui, ça c'est ma culture, ça. J'espère qu'il va venir me poser une question sur Pokémon ou un truc comme ça en vrai. Prochaine question mathématiques. Oh putain, ça va être une. Oh non, attends. Si c'est un calcul, Death Rider protection. Oh non. Oh non, je veux ce truc, mais je vais jamais l'avoir. Ah, ils veulent mettre une division euclidienne là. 112 moins 25, ça fait combien 112 moins 25 ça fait 87 plus 12, 99 plus 34, ça fait 133 moins 13, ça fait 120. 120, putain, Nems l'a eu juste avant. Ah, Dali l'a eu avant encore, mais Dali il est trop fort. Ah non, c'est Juju qui l'a eu? Oh, il a dit 121, c'était 120. Putain. Bon, j'ai eu la bonne réponse. J'ai eu la bonne réponse, mais un peu tard. C'est juste que je suis trop loin dans mon cerveau, mais j'ai eu la réponse. Donc là, on a déjà. Normalement, on peut avoir la T4 plus 2 pièces, 3 pièces, protection 2. Pas mal en vrai. Question streaming. Je sens la question en mode c'était quoi l'ancien nom de Twitch. Je sens la question, je sais pas pourquoi. Ah ouais, ça va être un truc sur The Event en vrai. Trois associations qui ont été représentées, Médecins sans frontières. Après, il y a quoi? Il y a Pasteur et. C'est quoi le dernier? Amnesty International. Putain. Ça fait chier. Ouais. Bon, en même temps, là, c'est compliqué. Hein, on va pas se mentir. Hein. On n'est pas passé loin de la deuxième. Je vais en avoir une. Je vais en avoir une autre. Vous inquiétez pas, je vais en avoir une autre. Sans, j'attends le moment où Rayou va venir. Mon cher Gil. Oui. Acceptes-tu un face-à-face contre Titi? Bon, franchement, tu sais quoi? Oui, on est joueurs. Vas-y, oui. Je vais le TP à toi, bien évidemment. Attends, je peux cacher mon stuff en vrai? Attends, je vais cacher mon stuff. Oh, le trahia. Oui. Et non, j'ai pas envie. C'est bon. Après, il va les répéter à tout le monde. Il va faire, mais Gil, il a du stuff, etc. Bon, ouais, moi, j'accepte tous les défis. Même si je me fais éclater. Le premier qui répond à deux réponses, d'accord? Ouais. Donc, le premier qui a deux bonnes réponses gagne la récompense qui mettra un peu dans la merde l'autre. Ça va être extrêmement simple. Première question, vraiment facile. Je suis né le 1er janvier 1972 à Pointe-à-Pitre. Je suis un athlète international, footballeur, ayant évolué comme défenseur dans les années 1990. Je débute en région parisienne avant de terminer ma formation à l'AS Monaco. Je débute en championnat de France en 1991. Je suis connu comme étant le gendarme. Le gendarme, non, mais du coup, je sais pas. Non, moi, j'allais dire. Non, parce que, en vrai, défenseur, j'allais dire. J'allais même pas faire attendre la fin. J'allais dire Zidane parce que c'était pas un attaquant. Je sais que c'était un peu derrière. Et du coup, je pensais à. Il était pas défenseur, il était milieu offensif. Ah, voilà, ouais. J'ai voulu tenter quand même. Lors de l'année 1990, Parme remporte le quadruplé Coupe de l'UEFA, Coupe d'Italie, Super Coupe italienne. Ah, merde. Je dispute ma première rencontre avec l'équipe de France en 1994. Je suis historiquement reconnu pour avoir marqué les deux seuls buts avec les Bleus en demi-finale face à la Croatie dans la Coupe du 1998. Je sais pas, vas-y frère, on va dire Platini. Y'a rien. Je sais pas, on peut mon prénom est Lilian Barthez. Tom.
Ah non, Turam. Mais oui, Fabien Barthez, oui, j'ai tout mélangé, frère. Et oui, en plus, Barthez, je suis trop con, c'est le gardien. Titi qui mêle avec 1-0. Bien joué, bien joué. On a un niveau en footballistique. Mais en fait, le problème, c'est que moi, je... Le stress. Mais non, mais même pas, c'est juste qu'en fait, tout ce qui est reconnaître des acteurs, des noms de gens, c'est zéro, moi. Le stress. Bon, c'est la pression. Bien joué, Titi, bien joué, mec. Mesdames et messieurs, on est reparti. Vas-y. Mais on est sur un film. On est sur un film, je me dis, tant pis. Parce que c'est un film qui est. Les deux, vous allez la voir, donc on peut se le faire. Je suis un film, une comédie française réalisée par Olivier Nakache et Eric Toledano, sortie en 2011. Intouchable. D'accord. Voilà, tu vois, c'est ça le problème, tu vois. C'est ça le problème, c'est que non, du coup, je l'avais pas, du coup. Mesdames et messieurs, je suis désolé, mon cher Guillaume. Pas tu vas devoir donner une petite chose de ton inventaire. Je vais devoir. Je sais très bien ce que c'est, hein, je sais très bien ce que c'est. Guy, tu vas devoir donner tes chaussures. Donne tes bottes okay. En Diams. Quoi donne juste okay, tes bottes en Diams. Bah, cadeau, oh, ça me met bien. Tu vas pouvoir les fusionner. Bah ouais, de ouf. Tant pis, bon, il faut que je retrouve du Diams du coup. Il faut que j'arrive surtout à avoir du stuff. Question qui arrive. C'était quoi? Damien was slain by Nagato. Déjà? Ah oui, d'accord. On va continuer à miner. Hein. Non mais frère, mais c'est pas possible. Non mais il est tout seul qui écrivent dans le chat, hein, bien évidemment. Alors bon, pour l'instant on est full P2 avec un protection 3, sharpness 4, mais niveau gap c'est une catastrophe. Druya was slain by Bombi. Mais non. De toute façon je vous ai dit, hein, mon but moi c'est d'être dans les derniers, pour être dans la finale. Je veux juste avoir des questions moi. Bon, eh ben écoutez, conclusion de notre stuff, on a 3 pièces protection 3, pas beaucoup de gapple. Un power 4, il faut que j'aille faire des flèches d'ailleurs. On va aller faire les flèches, on va aller faire les pommes. Bon allez on sort, hein, je pense les gars, on va s'arrêter sur ça. Hein. Bombi was slain by Narco. Sans... Mon cher Guillaume. Enchanté. Guil, est-ce que t'es prêt? Mais moi je suis toujours prêt, mec. Guil, qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce que t'as une petite question Pokémon? Si tu veux, vas-y. Alors, je suis un Pokémon relativement petit. Je possède des dents acérées. Mon corps est bleu foncé, à l'exception de mon abdomen et du bas de ma mâchoire qui sont rouges. Je possède deux cornes qui ressemblent à des moteurs d'avion sur chaque côté de ma tête. J'ai des bandes bleu clair sur les cornes ainsi que sur mon dos. Je suis un Pokémon qui déterre les pierres précieuses pour décorer mon nid. J'évolue au niveau 24 et je réévolue au niveau 48. Je suis jouable dans Pokémon Unite. Alors, et mes talents sont voile sable ou peau dure, talent caché. C'est Attends, du coup c'est la première, c'est la sous-évolution du coup s'il évolue pas. J'évolue au niveau 24. Non, et comment ça j'évolue au niveau 24 j'évolue... Attends, mais il y a quoi comme Pokémon qui sont jouables dans Pokémon Unite? J'évolue au niveau 24 et je réévolue au niveau 48. Ouais, bah je me doute. Non, mais tu vas l'avoir. En fait, je réfléchis au Pokémon qu'il y a dans Pokémon Unite parce qu'attends, j'en sais rien, frère. Mais et là, c'était Grinknot, mon cher Guillaume. Mon cher Guillaume, c'était Grinknot. J'avais oublié qu'avec Archacroche, je l'ai pas joué. J'aurais pété un plomb. Bah, moi aussi, figure-toi, moi aussi. Mais bon, c'est la vie. Rien, mon cher Guillaume. C'est la vie, frère. Je vais TP très vite. Ouais, non, mais la description me disait rien, tu vois. En plus, je suis dégoûté parce que j'adore ce Pokémon, mais la description me disait rien du tout. J'ai le seum, hein, c'est la vie, frère. Oh, salut, mec, ça va? Salut, mec. Ça va ou quoi? Le fun, tu vas attendre le truc? Moi je joue pour avoir des questions parce que écoute j'ai pas de gapple. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez vous fight ou est-ce que bah je peux pas le dropper donc on veut des questions. Pour l'instant on se fait juste une question pour un avantage, si vous veux, fightez pas. Ok, c'est le premier qui répond, mais du coup quand c'est le premier qui répond ça va être une question de rapidité. Quel mot anglais signifiant souterrain peut-on lire sur le logo du métro de Londres? Ça a été rapide, ça a été très rapide. Et mesdames et messieurs c'est une speed 1, je donne un peu de speed 1 depuis tout à l'heure pour Guil. Eh ben j'ai mieux, je parle mieux anglais que je connais les descriptions Pokémon visiblement. Ah oui, du coup, salut, mec. Salut, mec. Vous fightez? Ouais, on fight là. Je vous observe. Guillaume? Mais non. Narco est mort par Nems? Je vais me balader. J'aimerais bien me fight, mais bon, contre des gens que tu peux fight quoi. Après, sur un malentendu, je peux dropper. Salut, ça va ou quoi? T'as tué quelqu'un toi? Ouais, toi. Non. Tu veux qu'on fight quand même? Pour que. C'est comme tu veux, moi je m'en fous. Viens, on demande à Étoile un duel d'abord de questions. Genre, il oblige le fight entre nous deux et celui qui répond bien a un avantage ou un désavantage. Il m'a donné un gapple. Oh, gap est mort. Oui, Guil, c'est quoi à proposer? On propose, vu qu'on veut bien se fight avec Bichard, on propose le truc que tu m'as proposé avec Dwarf tout à l'heure. Le 1v1 avec questions et celui qui répond bien a un avantage pour le début. Ok, vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Prêt. Je suis. Mais après, il fait pareil avec vous, là. Fightez-vous aussi, là. Je suis un fruit
Le vainqueur gagne une potion de speed 2, ok. Je suis un fruit à l'écorce épaisse de couleur verdâtre, jaune ou litchi. Rosé. Litchi, ouais. Et une baie. Non, ah non, c'est pas ça. Et une baie comestible composée de 16 à 18 quartiers remplis de pépins. Pastèque. Non, c'est faux. Le fruit est actif. Melon. La récolte se fait entre. Non, c'est ananas. Faux. Entre. C'est faux, entre octobre et janvier, la texture est croquante, peu juteuse, le goût équilibré, le coin, doux, non, pas le coin, plus ou moins le... amer et peu acide. Le fruit du dragon. C'est faux, le fruit peut être énorme, un bambino japonais atteint 86 kilos. J'ai pas. 86 kilos. Un agrume, un peu acide. On est bien ensemble. Amer. On est bien ensemble, c'est bien, on est bien. Je c'est bien, citron, commence par un P. Le pamplemousse. Voilà. Oui, effectivement, putain. Yes, oui, effectivement. Yes, ouais. Attends, bah oui, du coup, attends, moi je vais. Il m'a splash la potion. En attends, fait. Vas-y. Je vais prendre. C'est parce qu'il y a la bordure derrière en fait, attends. Vas-y. Hop. Vas-y. Ah, attends, y'a un petit alentour, je crois. Oh putain, what? Attends, mais. Casse la gueule. Je vais casser la gueule, attendez deux secondes, je prends pause. Non, mais fightez pas, frère. On est en train de se fight là, mettez pas des flèches. Mec, c'était tendu du fion cette histoire. Putain, bien joué, hein. Ah, GG. En vrai, t'as failli m'avoir, mec, ça s'est joué avec dalle, hein. En vrai, t'as été meilleur sur la question, donc tu mérites aussi, hein. T'as été meilleur que la question. Guy l'a gagné, c'est exceptionnel. Bravo, les gars, pour le pamplemousse, vous avez été très chaud. Bah, du coup, je peux pas. Bah ouais, parce que j'avais ton... du coup j'ai pas eu le temps de trier ton stuff du coup. Bon, pire, tant pis pour le punch, hein, c'est pas grave. Ok, Gil, question très rapide. Vas-y, ouais. Gil, une question pour 4 Gapple tout de suite. Mm-hmm. Si je me balade à la promenade des Anglais, dans quelle ville je suis? Exactement, et c'était une question dans le premier question pour un champion Minecraft, donc si tu l'avais pas eu, je t'aurais cassé la gueule. On joue pour 3 Gapple. J'adore cette ville, merci mec. Moi je veux bien encore faire un duel avec Dalil. Quoi, de quoi, de quoi? On fait un duel question et celui qui part il a un avantage. Moi j'aime trop quand on pose des questions, même si je suis nul à chier, je réponds à rien, tu vois. J'aime bien juste jouer au jeu quoi, c'est. Ok, Gil? Ouais, bah attends, si jamais au pire on veut bien. Question de face à face pour 5 Gapple. Face à Dalil? Je suis prêt. Face à Dalil, Dalil vient. Moi je suis prêt, ouais. Je suis né dans le sud. Le 1er mars 1990, je commence ma carrière au sein d'une structure AAA et je deviens indépendant en 2015. Zerator. Il est malin celui-là. Il est malin. Trois bonnes réponses les gars. Trois bonnes réponses. Edouard fait mort par Nanox, est-ce que c'est une surprise? Oh, un cœur quand même, en vrai, un petit cœur quand même, hein. Ok, Gil, c'est quoi le fight, désolé? Bah avec Dalil, on veut bien se fight, un petit duel de... comme avec Guichard. Ok, un petit duel de questions, bien sûr. Une swiftness à celui qui réussit bien. Mesdames et messieurs, je vous fais une petite description comme d'hab. Pamplemousse. On va... je te déteste. Ok. Mesdames et messieurs, on joue avec un arbre. Mesdames et messieurs, je suis une espèce de petits arbres de la famille des rutacées. Cultivé dans les régions méditerranéennes et subtropicales, un cyprès, pour son fruit. Un palmier. Non, je suis cultivé pour son fruit, dont le jus est utilisé principalement comme condiment. Il est fort, il l'a vu, c'est le citron. T'as été très très chaud, c'était le citron, je te donne ta peau. T'es chaud. Et vous pouvez vous fight, et on va commenter ce fight pour l'instant. Avec Dali. Vas-y, hein, quand tu veux. Contre Gil. Gil, on rappelle, hein. Gil, le youtubeur qui fait des modes de jeu stratégiques. Et Dali qui fait... Tellement meilleur stuff que moi. Et on se retrouve dans cette UHC avec étoiles. Le mode était totalement stratégique puisqu'il fallait répondre à des questions de culture générale. Et la stratégie mix. Et je connais la stratégie, c'est tout. Et il connaît autre chose que le citron. Il connaît la destruction puisqu'il est en train de détruire Dalil qui ne peut rien faire. Je déteste la run. Joueur Smash Bros, mais pourtant qu'il n'arrive pas à enchaîner sur les combos. Par contre, il tempo bien, puisqu'il a la rod, je rappelle. Hein. Il a la rod, mais il arrive pas à tempo. C'est trop dur, impossible avec speed 2. Impossible. Impossible avec speed 2. J'avoue que c'était vraiment trop dur. J'ai droit d'utiliser la rod maintenant. Tu n'as pas le droit, va te faire foutre. C'était très bien joué. C'était très très bien joué, quel fight. Bon, et en vrai, on a fait quand même une meilleure partie que la première. Bon, je pue toujours la merde, mais c'est à peu près tout ce qui se passe. Hein. Il va poser des questions. Ah non, non, y a même pas de question. Il met des très bons combos. Medems qui est en train de se faire casser la gueule mais qui tempo. On rappelle qu'il a un stuff qui me rappelle Alpia dans KTP8. Et on a Reston qui enchaîne. On y va pour l'instant. Ah, du coup, merde. Gil, désolé, je suis juste tombé. Gil est en train de faire une vidéo YouTube. Oui, c'était l'intro, je faisais l'intro là. Et attends, Medems qui a peut-être drop. Non. Il avait plus de cap. Moi j'ai envie de faire un truc.
Est-ce que vous pensez pas qu'on met Restump en finale, sachant que personne ne veut le fight? Bien sûr. Et donc on fait Dwarf Gil, parce que Gil a moins fight que Nanox. Et après on ferait Nanox contre le vainqueur de Dwarf Gil. Est-ce que ça vous va? Mesdames et messieurs, je vais vous poser une question. UHCFR. Oh, dis-moi que sur la V4. Oh vas-y. UHCFR, pour ceux qui ne savent pas, dans le chat, c'était un serveur UHC de fou furieux. Quel était le numéro du dernier UHC annoncé? S1992 sur le Twitter du UHCFR, sachant que c'était un UHC annoncé pour un poisson d'avril, donc c'est un UHC qui n'a pas eu lieu. Oh bah alors celle-là, si vous l'avez. Ah ouais, c'est compliqué, pas 1992. C'est dans... Les gars, je vous propose, chacun vous avez le droit à un essai, et c'est celui le plus proche qui remporte une potion de speed 1. Vas-y, 3, 2, 1. T'as pas envoyé, frère. Ah, ouais, c'est que vous deux, je crois que c'était aussi Julien Renat. Dis-le, c'était toi. 1992, mais je l'ai dit deux fois. Et c'était Gil, puisque c'était le 2777. Ouais. En fait, en gros, parce qu'en fait, oui, il n'y en a pas eu autant, parce que en fait, moi, je me souviens avoir host le millième, et je sais que c'était quand même assez. Il était malin. C'était juste en dessous de toi, parce que je savais que c'était pas au-dessus, donc je savais que t'allais dire 4000. Mais bon, bref, on est pas là pour. Mais je m'en fous, frère, j'ai fait 600 UHC host, t'en as fait 0. Allez, hop, on y va, c'est bon. Et pour l'instant, Gil. Gueule de Dwarf, qu'est-ce qui se passe? Dwarf qui est en train de se souvenir ce qu'il fait dans la vie du montage et il se fait démonter comme je l'ai dit tout à l'heure. Oh et là, qui est en train de le recyclage. Je recycle, gros, c'est mon métier, ce que tu vas faire. Je suis une poubelle jaune. Je suis une poubelle jaune. Kill de Dwarf, Massa, c'était en haut. Kill est en train de bien jouer. Dwarf qui récupère un peu mon or pour être presque full life. Oh, j'ai pas vu ma vie, bien joué. J'ai pas vu ma vie, ouais. Non, bien joué, j'ai pas vu ma vie en fait. Mesdames et messieurs, reste un peu. Oh putain, le massacre du monde entier. Nelson Mandela a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi courageux puisque Restump. Montre. Oh là là, mais les combos qu'il est en train de lui mettre, mais c'est un joueur. Ah bah, c'est la speed 2, hein, c'est sympa. C'est pas speed 2. Je suis énorme, mais après, bon, il a répondu, donc c'est le but. Je sais pas. Hey, touche le sol, mon gars. C'est noir. C'est noir, on entend plus ta souris là, mon gars. C'est une catastrophe. Ok, lapin, ça va être très très simple. Je vais poser une question à Gil et t'as pas le droit de répondre. Ok, super. Du coup, j'ai perdu. Du coup, désolé, Mathieu, on a perdu la game. Hein. Je suis désolé. Non, je suis désolé, Mathieu. Non, mais c'est la seule fois. Parce que, bien évidemment, faut bien que le fait que vous ayez une équipe avec des niveaux en culture G disparate serve à quelque chose. Mais là, c'est pas disparate. Hein. Si tu veux savoir, lui c'est 100, moi c'est 0. Hein, si tu veux. Dans quelle ville, connue pour certaines de ses promenades, est situé le musée Matisse? Dans quelle ville française? Mais ouais. J'en ai aucune idée. Pour certaines de ses promenades. Nice. Ah oui. Bien joué, mec. Ça va. En fait, je savais pas si c'était un piège par rapport à la promenade des Anglais ou pas. Justement, il fallait. C'était un piège. Ouais, j'ai tenté. C'est bon. Et une bonne question, c'est déjà mieux que la dernière fois, mais là il m'a donné un gros indice quand même. Parce que clairement, il n'y aurait pas eu le mot promenade, je n'aurais jamais trouvé, bien évidemment. C'est quand la prochaine question? Moi j'ai envie de répondre aux questions là. Mais il a des problèmes de PC, t'es au courant. Désolé, une question pour une sharpness 4 pour oublier ça, mec. Ah oui, d'accord. C'est maintenant. J'arrive. Attendez, on s'occupe. C'est maintenant. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est. Comment elle s'appelle? Je sais plus, je crois que c'est Shiva, je crois qu'elle a raison. Un truc avec 4 têtes et 4 bras là. Toujours pas. Attends. Ah merde, attends. Petit indice. Ah, c'est pour toi. C'est pour toi à la maison. Je connais le nom, je suis dégoûté là. Oh. Mathieu. Oui. Putain, ouais, c'est pour ça que je l'ai pris, mon gars. Voilà, moi j'en ai aucune putain d'idée. Question streaming et drama. Attends, on se focus. Ouh là là, c'est pour toi ça. Ah bah oui, bon. Les chaises ont déjà répondu. C'est bon, lapin, tu l'as eu, c'est bon. Putain, mais c'est bon. Merde. C'est bon. On est les deux premiers. C'est bon. Directement vite. Très belle rapidité. T'as vu, regarde. Merci, Gapple, mec. C'était ça. Merci, mec. Merci, Gapple. Nous, pour l'instant, mec, on est en train de rouler sur le truc. On a toutes les bonnes questions. Toutes les bonnes réponses. Question date. Question date. En vrai, franchement, on devrait avoir le grand prix de l'humour, en fait. Je pense. Franchement, on devrait avoir des points bonus pour chaque humour, en fait, qu'on fait à chaque fois. Franchement, hein. Un gros four. Question date. En quelle année les jeux.
Je suis intestable. Je suis intestable. Je m'en branle en fait. Mec, on a toutes les questions depuis le début, on les je a toutes eues. Je suis intestable. Je suis trop fort. On les a toutes depuis le début, je suis mort. Et mec, j'ai un gars, c'est comme si t'installais un cheat en fait, en team, tu vois. C'est. De toute façon, moi je m'en fous de mourir. Ce que je veux, c'est juste répondre à des questions. Ça me fait trop plaisir de pouvoir répondre à des questions avec toi, parce que je sais au moins que je suis pas nul. Question opposées, musique. La question musique. Michael Jackson. Ok. T'es prêt, mec? Essaye un truc, on sait jamais. Non, oui, bien sûr. Je vais tout essayer, tout ce que je connais, t'inquiète. Moi, je vais essayer que des trucs à l'ancienne, par contre. Ça va être de la musique française, à mon avis. Oh, je connais pas. Ok. Faux. Tu connais, toi? Oui, j'ai la fin de la phrase. J'attends juste qu'il mette le début. Que les femmes oublient l'heure. Tu m'as déjà écrit toutes les paroles de la chanson avant même que ça finisse, c'est qui est la question. Le mec, il avait déjà tout écrit, frère. Toutes les paroles de la chanson, frère. C'est pas possible. Oui, monsieur. Et du coup, il t'a donné quoi? Ah, mais une potion de force, mec. Hein. Oh, ça, c'est une potion de force. Oh, la potion de force, hein. Et la potion de speed. En fait, c'est très simple, en fait. C'est que si à un moment donné, il y a une team qui te semble compliquée, tu me donnes potion de force à la sharpness 4 et c'est fini. Et c'est terminé. Oui. Enfin, ça va tout shot, hein. Non, y'a pas de misère. Bon, mission plus de gold et plus. Tu sais que, en vrai, je pense que notre mission, ça va être de camper jusqu'à la fin pour être juste en finale. C'est tout ce que je veux. Ah oui, je suis d'accord, moi, c'est une strat qui me plaît. Juste être en finale et remporter la partie finale. C'est tout ce qui se passe. Après, c'est Rayo, il va nous TP à un moment, tu vois. Genre. Question sport, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Question sport, c'est pour moi. Faut que je brille maintenant. C'est pas du foot. Oh, ça va être C'est du tennis. C'est 100% du tennis. Martin Fourcade. Oui. Putain, merde. Mais il est trop fort. Mais il avait déjà écrit avant. Je suis dégoûté, mais il avait frère. Déjà écrit avant, oui. Je suis dégoûté. Il avait déjà écrit avant, de ouf. Il l'avait déjà écrit avant. Comment il a juste collé. Il a juste fait entrer. Je suis dégoûté, frère. Je l'avais. Quoi? Ah non, c'est pas lui. L'ami Chapuis. Ah, c'est pas un combiné nordique, peut-être? C'est du biathlon, mais en vrai. Ah, ok. Lui, c'est du biathlon Fourcade. Mais ah, ok, bien joué. Je me refais une pioche en DM, ou pas, du coup? Bien sûr que oui, frère. Bien sûr. J'ai 15 livres, donc tu peux y aller, hein. Vraiment, tu vas même c'est pouvoir, bon, je vais pouvoir m'en faire une. Oh, attends, j'ai une bibliothèque d'un village, on a 150 livres en fait. Mec, écoute-moi bien. Jusqu'au minage, pas jusqu'au meetup, on va miner. S'il faut sortir full P4, on va sortir full P4, j'en ai rien à foutre. Let's go! Mec, épisode 6, on est à 2 heures de jeu bientôt. On sera full c'est protection bien, 3 avec des potions de force, une potion de speed. Après on a une potion de force 3 minutes. Ouais, une potion de speed. Ça servira pour un combat. J'ai dit on fait 0 kill, on s'en fout frère, on attend le dernier combat. Ok. Ah oui d'accord. Ah d'accord. Il s'est suicidé je pense. Restump quoi, sauf que Restump il tire quoi. Qu'est-ce qu'il branle Valier? Qu'est-ce qu'il fait? Mais quoi? Une question pour un livre Sharp 3. Vas-y enfin, si tu veux, je prends tout de toute façon, tu sais quoi. Est-ce que tu peux l'avoir celle-là? Je suis un département français dont le chef-lieu gagna le championnat de France de foot de 95-96. La maison natale de Colette se trouve à Saint-Sauveur en Puisaye. On y construit depuis 97 le château de Guédelon. Mes habitants sont les Iconnais. Je fais partie de la Bourgogne-Franche-Comté et mon chef-lieu est Auxerre. Avec les Yvelines, je suis l'un des deux départements français dont le nom commence par un Y. Que suis-je? Yvelines? Non, les Yvelines, je suis l'un des deux départements dont le nom commence par un Y. Il y a deux départements français dont... Est-ce que j'ai le droit à un appel à un ami? Tu veux un appel à lapin? Non, c'est trop facile. Je suis sûr que j'y trouverai la question instantanément. Hein. Bah oui, en vrai, je pense que oui. Non, je sais pas. Bah en fait, je sais pas c'est quoi l'autre... Vas-y, dis-moi la question. C'était Lyon. Ah, Lyon. Mon cher Guigui. Oui, bien sûr. C'est la première question que nous n'avons pas. Il faut bien un échec quelque part dans la vie. Mec, je suis full P3 du coup. Hein. Tu es full P3. Oui, moi je vais faire ma pièce P4. Et ma sharpness 4. Non, t'as pas ta T4 encore. Je suis en train de la faire là, ouais. Dans quelques niveaux, ça sera bon. T'en fais pas. Question KTP. KTP. Oh, je connais frère. Alors là, je l'ai. Je l'ai. C'est mort, je l'ai. Je connais forcément la réponse. Hein. En quelle année? T'as mis la même chose que moi. Dis-moi que c'est 7 et qu'on a raison. Nanox? Oh non. Ah, c'est 10. Il a mis 11. Ah, c'est 11. Ah ouais, ok. What? Tant que ça. Il a fait une saison qu'il n'a pas fait? Ok, bah j'en ai pas. Je pensais. C'est trop chaud. Sharpness 4, full P3, une pièce P4. Franchement. Avec beaucoup de gapple. Donc franchement, je pense que là, on peut être bien sur un fight. Si on arrive en finale, en vrai, on peut gagner. Du coup, t'as dit quoi, pardon? Vous avez pas fight d'ailleurs tout à l'heure? Pas oui, du tout. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, on aimerait bien un duel de questions. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez gagner? Je donne des sharpness 5. Oh, ça merde! Quoi? Bah, vous êtes.
Allez, go, 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 vas-y, mais, go. Mais go. Attends, mais Lapin à Sharp 4, Guy à Sharp 4, Lucky à Sharp 4, Tempav à Sharp 3. Donc, c'est qui vas-y, vas-y, vas-y. Franchement, franchement, on est chaud, on est chaud. Mais n'importe quoi, nous allons voir. Je donne un BO3 et je donne une Sharp 5, pas deux. Ok, pas de soucis. Ok, ok. Et en vrai. C'est Lapin qui prend la Sharp 5. Bien sûr, d'accord. Mais évidemment que c'est Lapin qui prend la. Si tu regardes, c'est lui qui a tous les bonus depuis le début, je n'ai rien. Hein. Ouais. Mesdames et messieurs, je suis un mammifère appartenant à l'ordre des périssodactyles. Il en existe une seule espèce asiatique, dite de Malaisie ou à Chabrak. Dans la culture japonaise, je sers souvent... Oui, oui, Lapin déjà. Ah oui. Mais je sais pas, j'aurais bien tenté l'ornithorynque. Non, c'était pas ça. Ok, ok, je pensais pas que t'étais aussi rapide. Dans la culture japonaise, je sers souvent à représenter la créature nommée Baku, dévorant les cauchemars. Vivant essentiellement en Amérique tropicale, je possède un corps massif à la peau très épaisse. Herbivore, je me nourris de plantules, de fruits et de graines que je collecte à l'aide de ma courte trompe. Oui, c'est enfin lézard. Non, ce n'est pas le lézard. Courte trompe. À l'aide de ma courte trompe. Lapin. Le tapir. Oh, c'est le tapir, il est malin, il est malin, la courte trompe. C'est la courte trompe qui te donne ça. Bah oui, forcément, le reste, j'en avais aucune. Évidemment. Évidemment, bon, j'allais dire éléphant, donc heureusement que j'ai pas parlé. Je m'en allais. L'alpaga, mec. Heureusement que je n'ai pas ouvert ma gueule. Oh, t'allais dire l'éléphant, mon ref. Ok, c'est une question rap, elle est facile. Ok. Elle est facile. Et bon, en rap, le quiz ça va. J'ai peur que lapin trouve. Mais non, mais moi, je suis rincé en rap. Alors, la journaliste, alors elle est un peu tournée de manière particulière. Ok. La journaliste Laure Narlian indique en 1997, dans un article du magazine Les Inculptibles. Oui. Ouais, là-bas. Ayam. J'en ai ras le cul, frère. J'en ai ras le cul, j'ai même pas eu le temps de finir. J'allais dire. C'est bon, je dis 97. Oui, oui. Non, mais il a dit 97, je me suis dit, c'est incroyable. Tiens, là pas. Elle est pour toi. Fais en bon usage. Allez, c'est bon, gars. Moi, je mange. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Mais j'en étais sûr qu'il y avait ton punch là. Pardon, excusez-moi. Oh, wesh. Ah, c'est pas voulu la lave hein. Attends. C'est ton mate hein, qui a posé la lave hein, juste pour moi, je pense que ça. Bah désolé, j'essaie de le tuer lui. Mais c'est quoi ton stuff frère? T'as pris du P4 là. T'as pour l'instant c'est Lapin, mesdames et messieurs. Non, clairement pas, non. Qui est sur Corfavi qui est en train de très très bien enchaîner. Corfavi qui peut strictement rien faire, Lapin le maître de la culture qui a très très bien répondu sur Ayam. C'est exceptionnel ce qu'il propose, on dirait même qu'il a fait beaucoup. Ah! Qu'est-ce que c'est beau de la part de Lapin! A l'aide! Corfav qui a pas démérité maintenant, Lucky qui en avait deux! Oui. Ah, on est pas sur piste musicale là, Lucky, c'est un peu plus dur! Vas-y, Lucky! Par contre, c'est très très beau les fakes! Oh les fakes! C'était très très bien, Lucky! Attends, c'est quoi? En se dirigeant lentement mais doucement vers le centre, doucement. Nous, on suit la bordure, mec, d'accord? On est là pour passer un plaisir. Attends, on va à la bordure, disons que. On va à la bordure, disons que nous, on est. Nous, on attend. On a fait notre fight, c'est bon. Franchement, ça me va. Non, c'est mort, il est mort. Non, mais pourquoi? Ah oui! Ah. Ça au moins. Oui, non, mais c'est bien parce que les roses étaient les seules. Qui avaient des chevaux et tout, et c'était chiant. Laissez-nous fight, on vous fight contre vous là. On a un bon stuff, hein. Ouais, nous aussi, ouais. Ok, bon bah go, hein. Vous voulez un 2v2? Donne-nous un vrai truc, s'il te plaît, vu leur stuff, pitié. Oh non, y'a le psychopathe là-bas. Oh non, pas lui. Non, mais donne-nous un truc parce que regarde son stuff à Nanox là. Regarde. Non, mais oui, il a du full P4, hein. Non, mais c'est des fous furieux. On joue quand même pour une potion de speed 2. Ouais, je donne une speed 2. Ah oui! Il veut quoi? Vous l'avez. Le thème, la réponse est une année durant laquelle la première ascension du K2 est réussie par Achille Compagnoni et Lino Lacedelli. L'artiste mexicaine Frida Kahlo décède. Il a une parution du 17e album de Tintin, On a marché sur la lune. Boris Vian chante le déserteur lors de la guerre d'Indochine. Celle-ci prend fin après la bataille. 72 4... Non, c'est faux. On tente quoi, Nanox? 22 C'est faux. En même temps, l'Allemagne de l'Ouest remporte à la surprise générale la Coupe du Monde en Suisse contre la Hongrie 3-2. René Conti devient président, c'est le début de la guerre d'Algérie. Je suis quelle année? 54. C'est Lapin. C'est Lapin. C'est Lapin qui l'a. C'est Lapin qui l'a. J'en avais aucune avant idée. On marche sur la lune pour de vrai. Et oui. Oui, mais j'avais. C'est con en fait, c'est ça qui m'a induit en erreur aussi. Et oui. What the fuck. Et c'était pour ça que la question était belle. Je vous la mets. Hop là. Quand vous voulez, du coup. Vas-y. Vas-y, quand vous voulez. Allez, servi. T'as le droit de commenter? Tu peux commenter Narco si tu veux, pour l'instant y'a plus qu'à deux qui passent.
Oh, Fucano, mais Fucano. Ouais, mais il a tout de quoi. What? La pointe, c'est un peu. Moi, je pense que c'est cher. Qu'est-ce que t'as pas les mêmes stuff que nous, quoi. On rappelle que Nanox se plaignait hein, depuis le début du fight. Je ne pleure pas. Je rigole. C'est vraiment bien. C'est bon. Bien pour le match est OP. Me plonge, c'est OP. Ce que fait Fucano, c'est extrêmement bien vu. Oh, le combo Fucano. Fucano, le combo, on n'a jamais putain, vu ça. Putain, le truc de merde là. On rappelle qu'il n'a qu'un seul bras, c'est exceptionnel ce qu'il fait Fucano. Avec le double combo, il va enchaîner sur la pomme. Il a qu'un seul bras. Il est malade quoi. Oh, c'est très close, c'est qui 84 points. Ah, c'est je pensais qu'il allait venir derrière moi sur le. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vrai. Fucano qui a manqué de repère dans l'espace. Oh, mais vous faites chier avec vos sauts de lave, hein. C'est impossible, hein. Mais j'ai pas speed 2, frère. Mais j'ai pas speed 2. Il a 30 secondes, hein. Qu'est-ce que tu me racontes, frère. Il a plus speed 2. C'est 3 coeurs et demi, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, là. Oh, Guil, la très bonne tempo. Oh, Guil, ça met des petits combos. Il est chaud, il est chaud. La masterclass. Il est low. Ah, c'est dur. C'est quoi ton arc? No gap pour la. Je sais pas, ils ont tellement de stuff, hein. Il a un power 5. J'ai power 5. Non, mais on prend des dégâts de malade, hein, même moi. J'avais un cœur et demi avec un full PQ. Mais what the fuck, même avec speed, je me prends des coups de fou, frère. Joueur exceptionnel, joueur t'as bien joué, hein. Alors qu'on me propose un question quoi pour un. Non, j'ai plus de gap. Non. Ah oui, moi je veux bien, pitié. J'ai 5 gap, mon stuff va broke là. Le 2v1. Non. Non, mais. Attends, en fait, c'est des bons dégâts là. J'attends en mode, j'ai pas trop de KB parce que. J'ai envie de les servir, mais. 4 coeurs et demi, t'inquiète, j'ai 4 coeurs et demi, j'ai plus de. Donc t'inquiète pas. Oh non, 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 non. Ok, Guil, tape 2 2 plus 2. Mais j'ai plus rien, frère, 4. 2 plus 2. Ouais, let's go, j'ai plus rien, frère. J'ai plus rien. Mais il a eu la masterclass. La masterclass, ouais. 4 plus 8, Guil. Oh là là! Il tend, si je te tue, c'est une honte, frère! Allez, il tend! Mais oui, je mérite pas de le tuer, frère! Bon, d'accord! Mais la masterclass! De toute façon, j'ai plus de casque là, donc bon, vas-y, GG! Mais t'as encore! Oh gros, Steve. La masterclass! C'est intéressant ce qu'il dit dans mon chat là. Genre, le mode de jeu s'appelle question pour un champion LHC. Si les mecs qui assurent en question sortent pas du lot à la fin, ils sont pas plus avantagés que ça. Ah, c'est le mode de jeu faire ça logique. Ouais, en fait, ouais, ça, c'est à dire qu'on a, on a des avantages en stuff qui font que juste bah on peut sortir 10 minutes, on 10 a minutes avant les autres toi, à la limite. Enfin. Et what? Comment ça va se passer à la fin du coup là? Qu'est-ce qui se passe? Ça va être un 1v1. Il lui casse la gueule! Mais c'est sur Guil que je l'ai chopé la T5. Hein. Reste up, qui va dire? C'est le moment! Le chien, le bâtard. Voilà, malheureusement, on n'aura pas réussi à aller jusqu'en finale, voire même gagner la partie. On aura quand même répondu à quelques questions sur la deuxième partie et on aura fait un petit peu de PVP aussi. Donc on aura un petit peu fait le tour du mode de jeu. J'espère que ces parties vous auront plu, que plus globalement vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis vous pouvez aussi me donner vos avis en commentaire. Merci encore à Displate pour la sponsor dans la vidéo et j'espère que, encore une fois, ces sponsors là ne vous dérangent pas trop. Si c'est le cas, n'hésitez pas quand même à me le dire un peu en commentaire parce que c'est vrai qu'en ce moment j'en profite un petit peu. Surtout qu'il n'y en a pas des masses des sponsors, mais bon, on sait jamais. Si ça vous dérange, n'hésitez pas à me le dire. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Salut à tous.